Le couloir roulant, le voici. Le moteur linéaire, le voilà. Élément de base de la première application industrielle mondiale d'un nouveau mode de transport de produits en vrac, entièrement automatique. Un seul homme, au pupitre de commande, surveille le fonctionnement d'une desserte principale, capable d'un débit horaire de 600 tonnes de charbon brut. Cette innovation technique a été réalisée aux Houillères de Provence, entre Aix et Marseille, dans une mine de charbon très mécanisée. Cette mine est championne d'Europe pour le rendement du fond. Plus de 7 tonnes nettes de charbon par homme et par jour. Pour obtenir ce résultat, les houillères de Provence ont su profiter de la régularité de leur gisement et se doter de puissants moyens de production. Le haut degré de mécanisation va jusqu'à l'automatisation partielle d'unités de production à forte capacité. De ce chantier sortent chaque jour près de 5000 tonnes de charbon brut. Son évacuation en galerie rectiligne est résolue par les classiques convoyeurs à bande à fonctionnement automatisé. Prenant le relais de ces convoyeurs, le circuit de couloirs roulants à moteur linéaire a permis l'automatisation totale d'une desserte principale en galerie sinueuse à faible pendage. Nous découvrons sur ce schéma l'implantation de cet ensemble de conception hardie. D'une longueur de 2325 mètres, il se compose de deux voies ferrées superposées, bouclées en demi-cercle aux extrémités, montées sur une charpente métallique le long d'une galerie cintrée de 10 mètres carrés de section. Ce circuit ainsi conçu s'accommode de galeries de section réduites. Avant de réaliser la première application industrielle de ce nouveau système de transport, les houillères de Provence ont fait installer à Grenoble, en 1968, un circuit d'essai de 30 mètres. Une collaboration étroite avec les constructeurs, dont Merlin-Gérin, a permis de mettre au point les prototypes de tous les éléments du circuit qui constituent des innovations techniques. Premier élément, le couloir, en forme de gouttière de 1,50 m de longueur. Sa jonction élastique, son essieu. Chaque couloir comporte un essieu à deux roues muni d'un attelage par rotule sur lequel vient se fixer le couloir précédent. Grâce à des jonctions élastiques, dont l'unique rôle est d'obturer l'intervalle de 5 cm entre couloirs, on constitue une gouttière capable d'être chargée en défilement continu. L'assemblage de 150 éléments compose une rame. Deuxième élément, le moteur linéaire, moyen de propulsion. Ce bloc compact, enveloppé d'élastomère, en est l'inducteur. Les induits plats correspondants sont fixés sous chaque couloir mobile. Il se compose d'une plaque d'acier, sur laquelle est fixée une plaque conductrice en cuivre de faible épaisseur. Séparé en deux éléments, le moteur linéaire n'est pas autre chose qu'un moteur asynchrone à rotor en court-circuit mis à plat. Son inducteur est alimenté sous une tension alternative triphasée de 1 kV. Fixé entre les rails, à distance appropriée du niveau de roulement des couloirs, un inducteur ne peut être mis sous tension que si un induit le recouvre,
et cela grâce à des capteurs magnétiques de détection. L'inducteur sous tension émet un champ magnétique glissant et non plus tournant. La partie en fer de chaque induit assure la fermeture des lignes de flux. C'est par l'intermédiaire de l'induit que le couloir qui le porte subit l'effort de translation résultant du champ glissant émis par l'inducteur. Ce système de propulsion ne nécessite donc aucun intermédiaire mécanique de transmission d'effort. Il permet de grandes vitesses de transfert. Le jeu entre l'inducteur et l'induit est de 5 mm pour la voie supérieure et de 7 mm pour la voie inférieure, soit respectivement un entrefer magnétique de 7 et 9 mm. Tous identiques, les inducteurs sont groupés en stations de poussée régulièrement réparties le long du circuit. Ils constituent ainsi une véritable crémaillère électrique indépendante de toute contrainte d'adhérence et sans contact mobile de transmission d'énergie. Les rames chargées circulent sur la voie supérieure. La voie inférieure assure le retour des rames vides, en position renversée, vers le point de chargement. Une rame peut s'inscrire dans des courbes de faible rayon, moins de 80 mètres dans le plan horizontal, 2 mètres dans le plan vertical. Les couloirs abordent en position renversée le demi-cercle d'extrémité qui limite l'ossature du circuit à l'arrière du point de chargement, point sous lequel il défile à vitesse constante. Dès que la rame a dépassé le point de chargement, elle est accélérée, parcourt à grande vitesse la zone de transfert, pour être à nouveau ralenti aux abords de la zone de déversement en tête de circuit. Le cycle de la rame est bouclé par son retour vers le point de chargement. Quatre rames de couleurs distinctes sont montées sur le circuit. Elles sont régulièrement espacées dans le temps, mais leurs intervalles varient du fait des différentes vitesses de translation auxquelles elles sont propulsées. Ainsi, chaque rame est ralentie à 3 mètres par seconde avant d'aborder son retournement. Elle est maintenue à cette vitesse au chargement. Un détecteur de présence de rame déclenche le fonctionnement de l'extracteur de chargement. Cet extracteur, entraîné par des moteurs hydrauliques, débite 1600 tonnes à l'heure de produits bruts. La vitesse de défilement de la rame est régulée automatiquement pour éviter tout débordement. Un autre détecteur provoque à temps l'arrêt du chargement. La rame est alors accélérée. En zone de transfert, les rames sont lancées à leur vitesse maximale de 7 mètres par seconde. Le centre de gravité très bas des couloirs leur assure une grande stabilité à des vitesses élevées. Dans la zone de déchargement, la rame est ralentie jusqu'à 2,40 m par seconde. Une rame de 225 mètres, transportant 30 tonnes de produits bruts, boucle le cycle en 13 minutes. Le freinage normal des couloirs roulants est assuré par inversion automatique de deux phases des inducteurs linéaires. Le champ glissant de propulsion change alors de sens et provoque, sans aucun contact frottant, un freinage progressif et efficace des couloirs. Il existe également un freinage mécanique de sécurité et d'immobilisation, fonctionnant par manque de tension, soit en fin de freinage électrique, soit par déclenchement d'un dispositif de sécurité qui provoque l'arrêt d'urgence des rames.
Le haut degré de mécanisation de cette mine a pu être atteint grâce à la nécessaire adaptation du personnel par une formation permanente appropriée à l'évolution des techniques et des emplois. Ainsi, l'équipe de conduite et d'entretien du circuit de couloirs roulants à moteur linéaire a suivi une formation appropriée. Nous étudions aujourd'hui la régulation de vitesse. Les quatre rames circulent sur le parcours à des vitesses différentes. 3 mètres par seconde, 7 mètres, 7 mètres et 2 mètres 40. Notre problème consiste à maintenir entre deux rames successives une distance supérieure à la distance de sécurité. La régulation du trafic des rames, qui se poursuivent sans jamais pouvoir se rattraper, est obtenue à l'aide de dispositifs de télécontrôle régulièrement répartis sur le circuit, tels les dynamos tachymétriques linéaires ou les détecteurs magnétiques de présence de rames reliés au pupitre de surveillance. Leur contrôle porte non seulement sur le mouvement des rames, leur espacement, la régulation de leur vitesse, mais aussi sur l'existence de défauts éventuels. Les couloirs roulants à moteur linéaire présentent une grande sécurité d'emploi. La propagation d'un incendie par les couloirs est impossible, étant donné qu'ils sont métalliques et que leurs jonctions élastiques sont discontinues. Le risque incendie d'origine électrique est normalement éliminé par les protections mises en œuvre pour limiter les échauffements, en particulier au niveau des inducteurs. La prévention des arcs et étincelles d'origine électrique est obtenue au moyen de la protection par isolant et grâce au montage fixe des inducteurs, qui permet d'éliminer la ligne de contact génératrice d'étincelles, comme dans le cas d'une alimentation électrique du type trolley. Chaque inducteur est noyé dans une masse d'élastomère. Il est protégé par 4 galets, 2 galets libres à l'avant, les deux autres reliés au système de sécurité. Ils mettent l'inducteur à l'abri des chocs et des frottements éventuels des induits. Outre l'emploi dans l'entrefer d'un couple de métaux cuivre-acier anti-étincelant, la formation d'arc et d'étincelles par le frottement de l'induit sur l'inducteur est ainsi prévenue par la présence des galets. La rotation de l'un d'entre eux, signe de réduction d'entrefer, entraîne l'apparition d'un signal de défaut et l'arrêt immédiat des rames par coupure d'alimentation du circuit qui déclenche le freinage mécanique. Un système classique de contrôle de gabarit réagit à toute anomalie de chargement. Ainsi, tous les défauts, comme toutes les informations de marche, viennent s'inscrire sur le synoptique du poste de surveillance. Aucun risque de débordement de la trémie de 70 tonnes dans laquelle se déversent les rames. Des sondes de trop-plein sont là pour y pallier. La mise hors d'atteinte par enrobage des pièces sous tension élimine le risque d'électrocution par contact direct. Autre dispositif de sécurité, deux fils isolés tendus tout le long du circuit à portée de main. Leur mise en contact provoque la coupure d'alimentation du circuit et l'application des freins mécaniques.
Enfin, chaque tête de rame est équipée d'un soc destiné à chasser les corps étrangers éventuels. Ce soc comporte une jupe souple qui passe entre les galets du dispositif de rupture d'entrefer. Cette jupe souple balaie la surface des inducteurs. Cette automatisation totale, en toute sécurité, d'un transport de produits en galerie sinueuse a participé efficacement à l'accroissement de la productivité des houillères de Provence. Le charbon extrait est consommé pour les trois quarts sur place par une centrale thermique implantée aux abords du puits d'extraction. Ici, le charbon a trouvé en temps opportun sa vocation électrique, malgré une concurrence très vive depuis de longues années des produits pétroliers préparés en son voisinage, au bord de l'étang de Berre. Le couloir roulant à moteur linéaire apporte sa contribution à la recherche de productivité, mais aussi à celle de l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des hommes. Cette innovation technique est appelée à un grand avenir, puisqu'elle peut résoudre dans tous les secteurs, qu'il s'agisse d'industries de surface ou minières, de nombreux problèmes de transfert à grande vitesse de matériaux en vrac. Mais la technique évolue vite. Des perfectionnements de ce système sont déjà en cours d'essai, notamment l'augmentation à 12 mètres par seconde de la vitesse de transfert des rames. La propulsion par moteur linéaire permet en effet de grandes vitesses, tout en supprimant les nuisances, les organes mécaniques de transmission d'efforts et les contacts électriques. Le développement de ce mode de transport ne peut être qu'encouragé.